moi j'en suis restée, tu vois, j'ai pas voulu lui dire si si ou chose. Donc c'est quoi? C'est 1 plus 2? C'est 1 plus 2, mais moi je suis en salle d'écoute. 1 plus 2. Je m'appelle Isabelle Dumont. Je suis aujourd'hui sous-directrice pour la Russie et l'Europe orientale. Et je commence depuis un mois environ ma préparation pour partir comme ambassadrice de France en Ukraine, où je devrais prendre mes fonctions début septembre. Well, dear folks, thank you so much for being here. I know it was not easy for you. Dans cet accord de Minsk, 13 points, qui sont autant de points d'achoppement, disons-le, hein, dans la réalité. Et sur chacun de ces points, nous devons dire au ministre où nous en sommes et faire des propositions. Le travail consiste à prendre note de ce que disent les uns et les autres, de préparer un projet de communiqué ou de déclaration qui pourrait être diffusé à l'issue de la réunion. Une partie de mon travail, c'est de répertorier jour après jour le nombre de morts. Ce sont des chiffres qui s'accumulent et je crois que nous avons tous la conscience que ces chiffres, ce sont des gens. Or, le travail que nous faisons, ces négociations que nous poursuivons dans le format Normandie, précisément, ce sont des efforts qui visent à éviter ces morts. C'est probablement aujourd'hui notre dernière réunion. On voit bien qu'on est dans un petit redout, mais il faut continuer à bien suivre ce qui se passe sur le terrain. J'ai vu qu'il y a eu 5 morts hier, je ne sais pas si vous avez vu ça. 5 soldats ukrainiens sur une mine. Au départ, quand on m'a proposé ce poste, j'étais inquiète, hein, je crois qu'il faut le dire, à la perspective des questions de management, des questions de sécurité, des questions politiques. Est-ce que je serai à la hauteur pour parler à un ministre? Est-ce que je vais réussir à faire face aux difficultés internes de l'ambassade? Est-ce que je vais réussir à comprendre les aspects financiers, par exemple? Je dirais qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que je me prépare à tout cela, je ne dis pas que j'y vais totalement tranquille et en me disant qu'il n'y aura aucun problème, mais je me sens préparée puisque véritablement il faut se muer, opérer une mue, se projeter dans ce métier d'ambassadeur. Je viens de recevoir apparemment l'agrément, l'ambassade nous a envoyé un mail, c'est en ukrainien. C'est une journée particulière aujourd'hui. J'apprends que Isabelle Dumont a reçu son agrément des autorités ukrainiennes. Donc félicitations, Madame l'ambassadrice. Tu pars quand? T'es contente? Félicitations d'ailleurs. C'est vachement bien, non? Ouais, c'est curieux. Vraiment, l'Ukraine, ça fait partie des 3 ou 4 très gros sujets pour nous. Parce que le président a investi sur le processus de Normandie, etc. Ça fait vraiment partie des gros, gros sujets. Dès qu'il y a un truc important, envoie-moi 10 lignes. D'accord. Tout ce qui permet de mesurer les échéances sur mine, sur le processus Normandie, et à quel moment il faut... tu sens que la situation est mûre pour qu'on refasse un Minsk. Et puis tout ce qui est évidemment observation des évolutions de la société en Ukraine, dans le Donbass, tu vois bien tout ce qui peut nous intéresser, tous les paramètres qui peuvent nous intéresser, quoi. Tu sais, il n'y a pas 36 cas, historiquement, dans le passé et tout, de chefs d'État et de gouvernement qui s'investissent à ce point pour essayer de résoudre un problème. En tout cas, c'est vachement bien que ce soit toi qui y sois, parce que tu connais le truc par cœur, on a confiance en toi, et... on pourra s'appeler chaque fois que tu vois un truc. Encore une fois, c'est un de nos gros principaux importants chantiers.
vas-y, reculez un peu plus. C'est jamais. Oreille. C'était un exercice d'exfiltration avec les forces spécialisées du GIGN qui nous ont montré comment ils agissent pour exfiltrer d'une part une personnalité, d'autre part c'était le premier exercice, puis un deuxième exercice des ressortissants français dans des situations difficiles. J'ai plus envie d'y aller. Alors on se rend compte que la balle perfore de part en part le bloc de gélatine. Donc vous voyez l'orifice d'entrée qui est assez petit, hein, c'est une munition de 7,62. Et l'orifice de sortie qui est lui beaucoup plus conséquent. Là on va faire une petite mise en situation, sachant qu'on va s'appuyer sur une expérience. La plus récente qu'on ait eue, c'était fin mai à Bagdad. On part du postulat, vous êtes dans votre bureau en train de travailler sur vos dossiers, d'accord? Et dans une espèce de continuité, la situation va commencer à dégrader. Donc moi, je suis votre référent sécurité, donc j'assure votre protection avec l'ensemble de mon équipe. Je vous donne le maximum d'éléments sécuritaires, mais vous, bah, ça vous permet de commencer à avoir une espèce de trame intellectuelle et de séquencer. Est-ce que l'ambassade est touchée ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Les Français, le consul, l'ensemble de la machine à MAE se met en place. SSD derrière, vos TD immédiats qui fusent, les coups de téléphone qui fusent, sachant que je précise bien que le GIGN, c'est force de décision, force de proposition. L'exécutif, c'est vous. La dernière limite, ce sera vous. On évacue pas. Voilà, insurrection générale, on ne peut pas faire force à Brol, la décision va devoir tomber, il va falloir quitter l'ambassade. Voilà. Si vous avez vu dans cet esprit de fumée, le GIGN c'est quoi? C'est toujours des ordres précis, clairs et intelligibles de tous. On est bien d'accord? On est souvent très calme dans la situation parce qu'on est entraîné pour ça. Donc on vient voir, madame, il faut absolument nous passer ça. Est-ce que c'est juste ce que je vous disais, madame. Voilà, c'est parfait. D'accord? Moi, j'ai physiquement ressenti la gêne de, par exemple, de respirer dans un masque à gaz. Et je crois que c'est important de l'avoir vécu avant, éventuellement, malheureusement, de le vivre dans une situation réelle. Vous êtes prêts pour faire la marche ? Allez. Le 9 septembre, c'était le jour de ma prise de fonction. Je suis partie avec deux valises et mon violoncelle. C'est peut-être là que j'ai ressenti, en m'asseyant à cette fameuse place à l'arrière, à droite de la voiture, qui est la place de l'ambassadeur, c'est sans doute là que j'ai ressenti le fait que je devenais ambassadrice en Ukraine. Je sais même où est Véronique. En tout premier lieu, j'ai ouvert le compte informatique et puis j'ai signé l'ouverture du registre d'état civil. C'est là aussi une étape indispensable pour que l'ambassade puisse se remettre à tourner avec l'arrivée du nouvel ambassadeur. J'aimerais récupérer les paraphères et transmettre aux différents services. Oui, c'est bon, ça c'est fait. Donc vous avez eu Agnès, donc c'est bon? Oui. D'accord. Et ça, c'est tout ça pour agrémenter ma soirée, c'est ça? Oui. D'accord, c'est gentil. Je ressens plutôt je ressens du calme et de la sérénité dans ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Ça me va parfaitement. Alors, 3 heures après mon arrivée sur le sol ukrainien, j'avais organisé une réception à la résidence avec tous les agents de l'ambassade. C'était un petit peu impressionnant pour moi. J'avais pas loin d'une centaine de personnes face à moi, tous les regards rivés sur moi, et je devais leur délivrer un message. Et ce message, je l'ai axé autour de 2 points principaux qui ont été mon souhait de travailler dans un esprit de bienveillance les uns envers les autres
et un esprit de transversalité. J'ai vraiment pris conscience lors de cette réception de la taille de cette ambassade, de la taille humaine de l'ambassade, un grand nombre de personnes face à moi, et que j'allais devoir être en charge de l'ensemble de cette équipe. Et donc ça a été un moment important pour moi. Bienvenue à tous, au nouveau. Merci. Justement, qu'il y ait une discussion et qu'on soit ces créatifs qui ressortent, soit c'est un dessin, soit c'est autre chose. Mais justement, ce que je voudrais, tu vois, typiquement, c'est que ce soit l'équipe qui réfléchisse ensemble sur est-ce qu'il est opportun de faire une première visite. Si je vais te faire tout de suite une proposition de principaux ambassadeurs à voir très rapidement. Ah oui, oui, oui. Ouais. Je peux te dire, je vais te l'écrire. Ça, est-ce qu'on le traite? Ça, on n'a pas forcément besoin de le traiter en concurrent de service. Plus aussi. On a combien de postes informatiques? Qui a accès, pour, entre autres, pour pouvoir faire l'agenda partagé? Très bien. Bon, mais bonjour à tous. On s'est déjà vu hier. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais d'abord peut-être vous passer un certain nombre de messages après, avant le tour de table. D'abord, est-ce qu'il y a des téléphones portables qui traînent ou tous les téléphones portables sont bien dehors? Dénoncez-vous, dénoncez-vous. C'est le service économique. Il n'y a aucun souci. Je préfère que ce soit clair. Que, voilà, à partir de maintenant, plus de téléphone portable en salle. Et je vous demande si vous pouvez veiller, y compris moi. Hein, là, j'ai pensé à ne pas le prendre. Mais... Dans toutes les ambassades, on tient des réunions de service. Ces réunions consistent à rassembler tous les chefs de service. Dans une ambassade comme Kiev, il y en a un certain nombre. Pour l'ambassadeur, de donner sa vision des priorités, expliquer à l'ensemble de l'équipe, partager avec l'équipe les informations que lui peut avoir en tant qu'ambassadeur venant de Paris. Et puis le deuxième temps, c'est un tour de table pour permettre, dans l'autre sens, aux chefs de service de faire remonter à l'ambassadeur leurs priorités, un certain nombre de préoccupations ou de recommandations, de souhaits. Je vous en prie, entrez à la lanterie. Je vous en prie, votre technicien alarme et système caméra. C'est modulable. Voilà. Donc voilà, c'est tout à fait modulable. Si jamais on change l'ambassade, effectivement, comme dit Frédéric, on emmène tout avec nous. Et puis là, après, on a d'autres emplacements si on veut rajouter les caméras. On va voir si les consignes sont respectées. On va voir ça. Et les consignes, c'est quoi alors? Là, c'est le reste de votre téléphone. Et ah oui, ouais, ça me fout. Ouais. Ah bah oui, ils vont me laisser le téléphone portable et leur visa et leur passeport. Bon, c'est bien ça. Voilà, c'est une petite forme. Маленькая это линия, которая выставляется, да. А это только вода или отопление тоже? Ça veut dire accès à l'extérieur. Attends, там не закрыто? Там закрыто. C'est fermé là-haut, mais c'est fermé là-haut de toute façon. Закрыто, ну. Окей. Там все закрыто, конечно. Donc, ici, nos collègues. Bonjour, je vous êtes donc responsable du service. D'accord. Jean-François Koenig, qui est là dans la prise de décision. Oui, d'accord. Ici. Bonjour. Guillaume Raquibel. Donc, nous avons Victoria ici. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Quand on choisit la langue ukrainienne, c'est plutôt moi qui réponds. D'accord. Vraiment en binôme. Oui, oui. D'accord. Et on a fait des traductions. Je dirais les personnes les plus importantes à l'ambassade, c'est vous et c'est le personnel des visas et de l'administration des Français, enfin c'est le service consulaire. Parce que c'est vraiment vous qui êtes en contact, en première ligne avec les gens. Et c'est souvent la première impression qu'ont les gens vis-à-vis de l'ambassade, bah, c'est vous, parce que c'est le premier contact qu'ils ont. Donc je vous encourage à rester aussi souriante que vous l'êtes aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Voilà. L'Ukraine, c'est un pays compliqué. Il est compliqué parce que les gens le connaissent mal en Europe, en France en particulier.
Jusqu'à la chute de l'Union soviétique, c'était une république de l'Union soviétique sur la majeure partie du XXe siècle. Ça n'est pas pour ça que l'Ukraine n'a pas son identité. Elle a son identité, mais une histoire nationale fragile. Et on le voit bien aujourd'hui encore. C'est pour ça que ça donne à l'Ukraine un statut particulier en Europe. C'est à la fois un très grand pays, les gens ne le savent pas, c'est géographiquement un pays plus grand que la France. C'est un pays de 45 millions d'habitants, donc c'est un poids lourd, démographique, géographique, mais aussi de transition. C'est un pays à mi-chemin, au nord, qui occupe la majeure partie du nord de la mer Noire et qui, géographiquement, humainement, économiquement, est un pont entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale, le Caucase et plus loin l'Asie centrale. Thank you for finding time and being so understandable. My pleasure. And welcome. So how are things going? I'm quite impressed with Ukrainian capacity. Mm-hmm. It's slow to start, but when it starts, it grows. We will also be building a new police academy. But I will be looking very much at the French experience, especially when we speak about the management school. Are you happy with the cooperation with France, or can we... There is a teacher of French language. Yes, we can even take it further, because you also have your wonderful police attaché, but you also have a very strong team in UM. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Eh bien voilà. Le fameux, je suis ravie de vous voir. Non. Je suis très heureuse de vous voir. Acheter du français, des cours de français aujourd'hui, c'est un luxe. Alors qu'acheter des cours d'anglais, c'est une nécessité. Il faut voir la réalité. Oui, non mais bon. Vous avez combien de visiteurs à peu près en moyenne, je ne sais pas, quotidiennement? Par jour, on a par semaine. Personnes. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est vraiment pas mal. Là, on est dans le monde de cours. Il y a dans cet institut 16 salles de cours. C'est Krivanos, qui est directeur de la... Bonsoir, monsieur. Bonjour, prième. Mesdames et messieurs, chers amis de l'Institut français, Pani Panowie, drogi drodzy francuskiego instytutu. L'Institut français d'Ukraine fête aujourd'hui ses 20 ans. Sa médiathèque avec son espace jeunesse. J'ai pas vraiment l'habitude de ce moment. C'est mon tout premier discours. Шановні колеги, шановні журналісти, ми продовжуємо наш робочий день. Тема наступного брифінгу – офіційні заяви після терактів в Парижі 13 листопада. Я запрошую до слова посла Франції в Україні Ізабель Дюмон. Доброго дня. Я хотіла би одразу подякувати офіційно. Ça a été vraiment un événement majeur, évidemment pour la France, évidemment pour le monde, mais moi en tant qu'ambassadrice et toute l'équipe de l'ambassade, ça a été très très impressionnant. Je suis sûre que ça l'a été partout dans le monde, mais en tout cas nous en Ukraine, dès minuit, 1h du matin, les gens, toute la nuit, ont défilé devant l'ambassade. J'ai posé la question à certaines personnes, et l'une des explications possibles, c'est leur propre traumatisme. Le traumatisme de ce pays, de cette capitale, en l'occurrence à Kiev, qui elle-même, un an plus tôt, avait vécu des événements extrêmement durs, une centaine de personnes tuées en plein centre-ville, dans des circonstances évidemment très différentes. Il y a beaucoup, beaucoup de morts, on en est à plus de 9000 morts en Ukraine. Donc la mort militaire désormais fait partie du paysage. En revanche, je crois que peut-être l'une des explications de cette émotion très très vive en Ukraine, ça a été le fait que les gens ont peut-être revécu par le biais de Paris l'horreur d'une attaque en pleine ville. Je n'avais pas encore tellement parlé aux médias, un petit peu forcément. Et là, c'est vrai que pour moi, ça a été un peu le baptême du feu, puisqu'il a fallu répondre aux sollicitations qui étaient,
qui étaient très, très, très nombreuses. Je ne sais pas si j'ai changé. Ce qui est certain, c'est que certains doutes que j'avais avant de partir, certaines interrogations se sont largement apaisées. Je me sens sereine, plus sereine qu'avant de partir, sans doute. Je me sens plutôt bien, bien avec l'équipe, bien en interne, bien en externe. C'est un métier qu'on ne peut pas faire à moitié. C'est un métier où on ne peut pas dire « désolé, on est vendredi 18h, j'arrête, je ne réponds plus au téléphone ». C'est un métier qui, diplomate de toute façon et qui plus est ambassadeur, où il faut un engagement personnel. On est sa fonction, on devient sa fonction, on est ambassadeur.